Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de détruire une tourelle avec des explosifs télécommandés. Donc tout d'abord il vous faudra des explosifs télécommandés et pour en trouver moi ce que je vous conseille c'est de prendre le bus qui est ici à Connect Crossworld, donc juste ici. Et ensuite ce que vous allez faire c'est détruire les bâtiments avec ce bus. Après vous pouvez utiliser un chasse-pierre sur un véhicule pour faire la même chose, hein. Je pense que ça fonctionne aussi. Ah ouais, ça fonctionne, c'est même sûr. Mais le but, c'est de détruire tout le bâtiment pour avoir facile à trouver un explosif. Donc là, regardez, j'ai directement trouvé un explosif. Regardez, j'ai détruit un bâtiment, il y a un explosif juste là, à côté de moi. Par contre, avec les ennemis, ça va être compliqué. Regardez, il est juste là. Hop, je le prends. Je me casse pour pas me faire tuer parce que... Ok. Je vais aller me soigner d'abord avant de vous présenter ce que vous allez faire avec ce C4. Parce que j'ai pas envie de mourir. Regardez, j'ai encore trouvé un autre C4 dans un coffre. Vous pouvez les trouver n'importe où, hein, les C4. Vous pouvez les trouver posés au sol, vous pouvez les trouver dans des coffres. Regardez, j'en trouve assez facilement. Ok, voilà, je suis tranquille. Je vais prendre juste ça en plus. Voilà, parfait. Donc quand vous avez votre C4, ce que vous allez devoir faire, c'est de détruire une tourelle. Alors les tourelles, normalement... C'est les tourelles qu'il y a dans les villes assiégées par les sentinelles des 7. Donc il y en a à Daily Buggles, il y en a à Connect Crossworld, il y en a à Rocky Rills, il y en a à Condo Canyon. Et je pense que c'est tout. Et en fait, les tourelles, c'est tout simplement ces petites tourelles-là. Et ce que vous allez devoir faire... Attendez, parce que lui va me casser la tête. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement détruire ce genre de tourelles. Donc vous lancez un C4 dessus... Boum, et vous le faites exploser. Voilà, ça détruit la tourelle. Alors, les tourelles, je vous ai dit où ça se trouvait, mais ça se trouve principalement dans les villes à l'extérieur, donc là où il y a les routes, donc l'extérieur des routes. Donc, je pense qu'il y a une tourelle ici, ici et ici, voire peut-être même au milieu. Donc, c'est pareil pour Daily Buggles. Attendez, attendez, je me fais tirer dessus. Ok, donc c'est pareil pour Daily Buggles. À mon avis, il y a une tourelle qui se trouve ici et ici. Par exemple, je sais pas moi, à Kondok, au sanctuaire, il y a des tourelles qui se trouvent en plein milieu. À Rokiril, je pense que ça doit se trouver dans les extrémités, hein, genre ici. À Kondok Canyon, ça doit se trouver aussi dans les extrémités, genre ici, ici, voire peut-être même ici. Et voilà, je pense que c'est tout. Donc, vous détruisez une tourelle comme ça. Si ça ne fonctionne pas, si ce genre de tourelle ne fonctionne pas, c'est qu'il parle des tourelles, des canons qui se trouvent sur les dirigeables là-haut. Enfin, même, il y en a un peu partout. Je vais vous afficher une map avec tous les canons de Fortnite chapitre 3, saison 2. Mais je ne suis pas sûr que c'est des canons qui parlent. Je pense vraiment que c'est des tourelles de défense qu'il y a dans les villes où les sentinelles des 7... On va siéger la ville. Après, regardez, là, il y a une tour. Enfin, il y a un canon, plutôt. Donc, ce que vous faites, si ça marche pas avec les tourelles que je vous ai montrées, bah, vous essayez de le faire avec les canons. Et peut-être que ça fonctionnera. Donc, les canons, il y en a sur les dirigeables. Et il y en a partout, je vous ai montré. Sur la mini-carte que je vous ai montrée. Donc, pareil, hein, ce que vous faites, si ça fonctionne pas avec les tourelles, vous mettez un C4 sur le canon, vous le faites exploser, et voilà, logiquement, bah, ça terminera le défi si ça n'a pas fonctionné avec les autres tourelles. Et dès que vous aurez détruit une tourelle, bah, là, vous aurez gagné, vous aurez terminé le défi et vous gagnerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace!